Pendant tout un mois, nos aventuriers ont défié la nature. Vous écoutez Wild in the Wild. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Je vais raconter un peu l'expérience que vous avez vécue ici. Là, je regarde ça à caméra ou je regarde... C'est Chris qui a eu l'idée de partir une couple de semaines dans la forêt, voir si on pouvait toffer. Salut Chris. L'idée en général, c'est quoi? Je regardais beaucoup de vidéos ces derniers temps de, je sais pas, Bear Grylls, Lestrade, de ce genre de monde-là qui font des émissions de survie. Là, ben, ça m'a comme craqué à faire la même chose qu'eux autres. Donc, au début, vous étiez trois aventuriers qui ont décidé d'aller faire une expédition en forêt. Avez-vous créé des liens entre vous trois? Est-ce qu'il y a des liens qui se sont créés? Ben, surtout avec Chris. Chris, ouais. Premièrement, parce que Mick était jamais là. Non. Il était tout le temps parti. Je sais pas pourquoi, là. OK. Peux-tu me raconter un peu ton expérience durant ces dernières semaines? Bon, on a gossé des affaires, genre un abri, un feu. Ben, j'ai appris qu'un couteau, ça coupe. Yeah, j'ai ma blessure de couteau. Ben, on a commencé, on s'est installé, on a trouvé notre spot. On a commencé à faire notre toit, notre super beau toit. On a fait un feu, trouvé des petits écureuils. Chris! Puis on les a mangés. Comment vous distribuiez la nourriture? Vous étiez trois, c'est-tu trois parts égales ou celui qui avait plus faim, moins faim? Bon, on essayait d'égaliser ça, là. C'est sûr que moi et Pépito, on a pas mal plus mangé à notre faim que Mick. Hey Mick! Viens manger! Qu'est-ce que tu cries? Ah ouais, viens manger, là! Pourquoi Mick mangeait moins? Ben, Mick avait son propre régime, je dirais. C'est lui qui voulait faire ses expérimentations parce qu'on lui a fortement déconseillé de toucher à certaines choses qu'il a fini par manger en quantité industrielle. Est-ce que ça l'a affecté sa santé? Sa santé, peut-être pas. Il avait l'air d'être en forme. Ça a peut-être affecté autre chose, par exemple. Et quand vous dites que Mick était toujours parti, qu'est-ce qu'il faisait? Ben là, vous... Je sais pas, il criait. Il criait. Il faisait juste crier. Quand est-ce que vous avez décidé que... Bon, OK, c'est tout, ça va être beau, l'expérience est finie? Il y a un moment... Un événement particulier. Ouais. Vous nous en parlez plus en détail? Ben, tu sais, c'était le fun au début quand on a commencé. Là. Ça avait l'air d'être une bonne idée. Vous nous parlez plus en détail du moment? Qu'est-ce qui... Je sais pas. C'est... Je peux pas. Ok, d'accord. Toi et Pépito et Mick, pensez-vous vous revoir? Pensez-vous refaire le... Alors, probablement que je vais revoir Pépito, ça c'est sûr. Ouais. Mick... Hey Chris, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chasser. Je pense qu'on sait tous les deux qu'il faut que ça finisse à un moment donné. T'es sûr? Ouais. Mick! Hein? Hein?